Monsieur le Premier ministre, honorables parlementaires, et en ce qui concerne la question posée par Madame l'honorable Fatouma par rapport à la stratégie de travail conjugué entre les deux départements concernant la disparité. La question en soi, c'est une question multidimensionnelle et c'est une question qui interpelle quand même, au-delà de ces départements, plusieurs départements. C'est vrai, notre point commun, lutte contre la pauvreté et rapprochement de l'administré et l'administration. Rapprocher les services pour la zone le plus reculée. Je vais laisser un petit peu en soi la partie de lutte contre la pauvreté à la ministre des Affaires sociales, dont qui a ce mandat. Par contre, en ma qualité de ministre de la décentralisation, tout ce qui est aspect de ciblage, de recensement dans la zone le plus reculée, l'animation, l'appropriation, la pérennisation des actions déjà déployées par différents départements, c'est dans ce sens que nous on mène les choses. Tout à l'heure, le Premier ministre quelque part a précisé, quand il s'agit de la lutte contre la soif et le développement équilibré des régions, ce n'est pas quelque chose qui peut se résoudre par un coup de baguette magique. Ça demande de planification, l'implication de différents départements. Et sans oublier les départements importants aussi qui travaillent avec nous, parce que on réfléchit tout d'abord sur les élémentaires, quand on se rend dans la zone la plus reculée. La question qu'elle approfondit mon département, de quoi ils vivent cette population? En termes de population, ils sont, leur taille et leur chiffre combien? Est-ce qu'il y a des ressources permanentes en eau? Ou bien leur seul point d'eau, c'est le point de rétention d'eau de surface? Après, ils sont à combien de distance de la sous-préfecture principale? À partir de là, la ministre des Affaires sociales précède l'action et par la suite, on réfléchit sur la question de l'éducation, la santé. Sans oublier aussi la question de désenclavement. Tout d'abord, pour aller bien dans ce sens, c'est quelque chose qui se fait par étapes. Il faut chercher à créer une condition aux populations là où ils sont. Cette condition passe par l'accès à l'eau. Plus ou moins, une fois qu'on arrive à stabiliser dans nos milieux cette question, les questions secondaires qui viennent, on peut réfléchir sur l'activité socio-économique. On procède comme ça, on continuerait dans ce sens. Je cède la place à ma collègue. Merci.